fall back, but I can't get enough of you. So guys, aujourd'hui, je vous emmène avec moi changer ma vie. Ma vie. En fait, je me suis réveillée, guys, avec une envie de changer, genre d'améliorer, d'arranger ma vie. Et de changement. Faire des choses que je faisais pas. Mais d'arranger un peu ma vie. Genre, je vois qu'en ce moment, elle est un peu désordonnée. Et c'est pas bien. Donc aujourd'hui, j'ai fait ça. J'avais des habitudes que j'ai arrêté de faire. Donc aujourd'hui, on va aller arranger ça. Et des fois, c'est bien. Et je vous recommande de prendre des temps pour vous et de réfléchir, en fait. De vous dire que quand vous voyez que c'est un peu le bazar et que vous vous reconnaissez plus, en fait, qu'il y a des choses qui vont pas dans votre sens, essayez d'arranger ça. Comme moi aujourd'hui, genre, je sais pas, j'ai plein de choses à faire et plein de nouvelles choses que j'ai envie de faire. Et j'ai envie d'arranger ça, en fait, de faire des choses peut-être que j'aurais pas pu penser faire et faire. Comme aujourd'hui, je sais pas, genre, j'ai une envie d'acheter des vraies fleurs et mettre dans ma chambre. Bah, je trouve que c'est quelque chose qui est beau esthétiquement, tu vois. Quand tu vas dans ta chambre, tu vois qu'il y a de la déco, c'est joli. Et des vraies fleurs, c'est magnifique, les vraies fleurs, parce qu'il y a des odeurs aussi, tu vois. Et je trouve que ça ramène la positivité. Comme, par exemple, j'ai arrêté en ce moment de lire la Bible. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis chrétienne. Et j'ai arrêté pendant un moment de lire la Bible. Et je sais pas, c'est quelque chose que je pensais qui était dans ma tête pendant des mois quand même, c'était de commencer à relire la Bible et tout. Et vu que moi, j'avais une Bible avant, mais je la trouve plus maintenant. Je pense que c'est à cause du déménagement aussi, surtout. Et du coup, en fait, j'ai envie d'acheter une Bible. Bah, j'ai l'application sur mon téléphone, mais je l'utilise vraiment pas. Alors que si je vois ma Bible dans ma chambre et tout, je la vois, ça va me motiver. Et j'en ai commandé une à la Fnac, je vous la montre aussi aujourd'hui. Elle est rose, j'ai pris vraiment une Bible rose pour que, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que ça va me motiver. Pour moi, ça peut m'aider, sachant que ça fait un long moment que j'ai arrêté et j'ai envie d'être motivée à lire. Du coup, voilà pourquoi je l'ai pris en rose. Donc voilà, c'est des choses que je faisais plus trop et genre là, j'essaie de remotiver, de reprendre ma vie en main. Donc voilà, ce vlog, on va essayer de reprendre ma vie en main. Par plusieurs choses que je vais faire aujourd'hui et je vais commencer par laver ma voiture parce que vu que je vais faire des longs trajets en ce moment ma voiture est dégueulasse, donc on va ranger ma voiture. Voilà, donc pour celles qui veulent se motiver comme moi aujourd'hui, motivez-vous, essayez de noter dans une feuille ce qui va pas, ce que vous avez envie de remettre en main, ce que vous avez envie de changer, de faire parce que ça va plus, que vous sentez en fait au fond de vous que ça va plus, comme moi aujourd'hui je sens que ça va plus, bah essayez de le faire, c'est très important, comme ça vous allez vous sentir bien et c'est important de se sentir bien dans la vie. So voilà guys, bon je vais vous laisser, on se retrouve après, je vais boire ça et je vais me préparer parce que today on va reprendre ma vie en main et après ce sera la vôtre. Après cette vidéo, faites-le. Et voilà, guys. So, guys, je suis prête. Aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée parce que en ce moment, je me maquillais beaucoup trop. Sur Insta, je faisais trop de photos, outfit et tout. Genre, je m'oubliais un peu. Genre, j'étais trop tout le temps maquillée. Et des fois, ça fait du bien d'être naturelle. Et aujourd'hui, je sais pas, j'ai envie d'être naturelle. Et vu que j'ai envie de reprendre ma vie en main, faut pas que j'oublie que des fois, tout le superficiel et tout, genre c'est pas bien et tout, genre c'est bien des fois d'être naturel. Tu sais, il y a des moments où vous êtes tout le temps maquillé et c'est chiant. En fait, c'est comme si tu oubliais que même sans make-up, tu peux être quand même jolie. Et aujourd'hui, je sais pas, genre j'ai envie de pas me maquiller parce que en ce moment, j'étais tout le temps maquillée. So, donc là, je vais aller. En plus, il fait archi. Tout d'abord, je vais aller laver ma voiture comme je vous ai dit. Après, je vais aller à mon rendez-vous pour les ongles. Parce que
que j'ai rendez-vous. Je vais faire un demi-tour ici. Parce que faire des tours là, ça devient... Oh merde. Puis au moment où je vais faire demi-tour, il y a des voitures. Il y a vraiment... j'ai la poisse aujourd'hui. Bref, ouais, j'ai fait un demi-tour. Bref, pas grave. Donc, je vous disais que là, je vais aller fermer, je vais aller laver ma voiture parce qu'elle est dégueulasse. Elle est archi sale. Pas de archi sale, mais genre, moi, je suis stressée de la vie. J'aime que ma voiture soit propre, que ça soit propre. Donc, pour vous, peut-être, vous allez me dire, mais non, mais arrête, t'abuses et tout. Mais moi, j'aime pas. Du coup, il faut que je fasse ça d'abord. Il faut que j'aille nettoyer ma voiture. Après, j'ai rendez-vous pour mes ongles parce qu'ils se sont cassés, c'est la cata. Et j'ai envie de me sentir bien, tu vois. Les ongles, ça se voit quand c'est sale. Tu vois, c'est quelque chose qui se voit. Du coup, j'aime pas. Du coup, je vais aller faire mes ongles. Et après, bah, je dois aller à la FNAC aussi. Je dois récupérer ma Bible que j'ai commandée. Que j'ai hâte de commencer à lire parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps que j'ai pas lu la Bible et genre j'ai trop hâte de faire ça. Je dois aller à Action pour m'acheter un cahier de méditation pour méditer la Bible, commencer à faire parce que c'est très important les gars. Genre, des fois on se laisse trop aller et tout, on oublie trop que Dieu existe et il faut pas. Donc voilà ce que j'ai à faire today. Know you wanna be somebody, even if you gotta leave somebody. Yes, I'm hurt, yes, I'm dead. Most of the things I don't wanna say. I won't be around while you chase. You'll try to come back when you fail. I always want the truth, but it's dead. Got something real, my babe. You want to get with me, stop. Yes, I'm hurting, yes, I'm jaded. Most of these things I don't wanna say. I won't be around while you chase. You won't hear me up when you make it. You'll try to come back when you're famous. I always want the truth, but it's dangerous. You got something real, not basic. Why is this so far, man? You wanna get with me, stop. Love's on this side, love's over on this side. I'm thinking the side. Hey, told me about all your insecurities for what? J'ai nettoyé ma voiture. Elle est genre grave propre. C'est un truc de ouf. Ça faisait grave quand même longtemps que j'avais pas nettoyé. Et genre, je sais pas, je me sens bien. Genre, là, je me sens mieux. Elle est super propre, même à l'intérieur. Genre, trop contente. Bon, j'aime trop. Genre, trop contente qu'elle soit propre. Genre, elle est trop propre. Take me like 2 hours to your family's house for what? Said you need some time, but I should stick around for what? Always felt like sticking around's the same as being stuck. That's that shit that drives me crazy. And like guns with the aching, getting under my skin. Pretty little young thing, had a nigga confidence, got me too excited.
You wanna get with me, stop it. So guys, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'avais grave le temps de faire tout ça avant mon rendez-vous pour les ongles. Donc là, je vais à mon rendez-vous, faire mes ongles parce que c'est la papa. Et après, je vais aller manger comme je dis. Et je dois récupérer aussi ma Bible à la FNAC. Voilà, parce qu'il me reste à faire today. Shit, might take a lie for this shit. Put the Bible down and go out for a dive for this shit. D.O.D. my enemy won't catch a vibe for this shit. Aye, I've been stumped out in front of my mama. My daddy commissary made it to commas. Bitch, y'all my grandma's dead. So ain't nobody praying for me, I'm on your head. Aye, 30 minutes later, no defense watching. Auntie on my telegram like be cautious. I be hanging out at jams, I be on Stockton. I don't do it for the gram, I do it for Compton. I'm willing to die for this shit, nigga. I take your fucking life for this shit, nigga. We ain't going back to broke, family selling dope. That's why you lazy ass rap niggas better know. If I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. If I gotta go hard on the bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me on my elephant, nah, me I'm allergic to a bitch nigga, act. An imaginary rich nigga, act. Seven figures, hold that summer, then my bitch figure, act. Going digital and physical and all y'all act. Bunch of criminals and money in my phone calls, act. Me okay, me let the A1 fly. Be low key, jump on the same G5. Checking for me heavy, cause I go, yeah, I go, yeah. They never been ready, yeah, I know, yeah, I know, yeah. 100K spread, cross the flow, yeah. None of y'all fucking with the flow, yeah. Years in the making, they don't y'all mistake it. I got them by a landslide, we talking about races. You know there's never be a tie, just look at their laces. You know careers take off, just gotta be patient. Miss the 1 through 5, that's the only logic. Fake my death, go to Cuba, that's the only option. If I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. If I gotta go hard on a bitch, I'ma make it look sexy. Donc là j'ai récupéré ma Bible. Elle est rose, elle est comme ceci, je vous la montrer. Elle est trop belle. Genre la matière et tout, genre trop trop beau. Je l'ai pris en rose, comme ça, ça va me motiver. Genre en fait, c'est tellement je la trouve belle, j'ai envie de la lire. Genre ça me motive par la couleur. Et après, c'est une écriture assez petite, normale. Mais j'ai trop hâte de commencer à bien lire. Et ensuite, j'ai pris ce cahier-là qui vient d'Action. C'est pour méditer la Bible. Je l'ai pris en rose, comme ça, ça va bien ensemble. Ça fait un bon match. Du coup, voilà, pour toute personne intéressée, je mettrai le lien de ma Bible en barre d'infos. Si vous voulez aussi l'acheter. This is my